Mesdames et messieurs, je vous présente le plateau de Bouéni. Alors, voyons voir ce qui s'y cache ici. Est-ce qu'on peut accéder déjà? Sésame. Hey. Tu ne viens pas quand tu nous Waouh. Continuons. Ah, ok. Mesdames et messieurs, nous vous présentons le plateau polyvalent de Bouéni. Ton pote Mélenchon. Il est où? Là. Ok, madame. Plateau polyvalente de Bouéni. Alors, regardez la splendeur. Ça respire. Il y a des toilettes. Oh, c'est excellent. Regardez. Eh, regarde-moi ça. Regarde-moi le plateau de Bouéni. Regarde-moi cette beauté. Non, mais c'est vrai ce qu'ils ont fait ici. Ils ont fait du lourd. Ils ont fait du lourd. Alors, où en sommes-nous, Mtamboro? Pour le projet de plateau Mzamboro, où en sommes-nous? Eh bien, regardez la splendeur. Même moi, j'ai honte. J'ai honte pour le plateau de Mzamboro. Regarde-moi ça. Franchement, ça donne envie de jouer, ça donne envie d'être là tous les soirs. Tous les soirs, mesdames et messieurs, ça donne rien envie d'être là, de faire du sport. C'est pas que la journée, le soir. Regardez ce qu'on a pu mettre ici, là, regardez. Eh. Et c'est pas un endroit où on va faire, tu sais, les activités culturelles? Dedans, là. Ah. Bah, quoique, ouais. Ouais, ça peut se faire. Mais je pense que ils sont plus propres que chez nous, hein. En tout cas, déjà, ça c'est fait. Donc, des endroits prévus pour les spectateurs qui viendront assister les matchs. Tout simplement, hein, là-bas, ici et ici. Donc, ça donne vraiment envie, voilà, de faire du sport dans un environnement comme celle-ci. Il y a tout, il n'y a rien à rajouter. Alors, pour le village de Mzamboro, j'espère que ça sera à peu près quelque chose de similaire et pas dans 150 ans. Ça serait fort aimable et apprécié. Hein? Bon, bonne journée, les amis.